Bonjour, je m'appelle Lala Touré, je travaille pour l'organisation Advocate for Community Alternative et je suis également membre du comité de coordination de l'OCDE. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la diligence raisonnable en matière de JAR et comment est-ce que les organisations de la société civile peuvent et doivent évaluer la diligence raisonnable. Next. Dans la conduite de leurs activités, les entreprises multinationales peuvent commettre des violations des droits de l'homme lorsque leur conduite est jugée irresponsable. Donc, ces violations des droits de l'homme peuvent avoir des impacts sur les travailleuses, les femmes travailleurs dans ce secteur. Et on va énumérer quelques-uns de ces impacts. Un des impacts, c'est vraiment les femmes qui travaillent dans le secteur des entreprises multinationales, généralement travaillent dans des conditions très mauvaises comparées aux hommes. Et dans des conditions très mauvaises, en ce sens que elles reçoivent des salaires beaucoup plus inférieurs par rapport aux hommes, c'est-à-dire quand une femme et un homme occupent un poste similaire avec des responsabilités similaires, le salaire de la femme est beaucoup plus bas que celui de l'homme. Et aussi, il y a une certaine instabilité quant au contrat. Généralement, il a été noté que les femmes qui travaillent dans ces différents secteurs n'ont pas un contrat stable qui leur permette d'avoir des avantages et sociaux. Un autre impact, c'est qu'il a été noté et un taux élevé de discrimination et sur le genre, donc qui conduit souvent à des harcèlements et à des violences contre ces femmes dans le secteur des entreprises, que ce soit le secteur minier et tout autre secteur d'activité commerciale. Également, un autre impact, c'est que sur le terrain, l'accès et aux protections de la santé maternelle est beaucoup plus faible, c'est-à-dire les équipements sanitaires et les équipements de sécurité sur place ne sont pas adéquats et pour les femmes et comparés aux hommes. Donc, ce qui fait que les femmes sur ce terrain sont beaucoup plus vulnérables en matière de se protéger et de manière, en matière de se protéger contre les incidents, en matière de se protéger contre toute maladie, tout incident qui peut aboutir à des maladies maternelles pour la femme. Next slide, please. Un autre impact, cela concerne directement les défenseurs, les femmes défenseurs des droits de l'homme. Et les femmes défenseurs des droits de l'homme qui généralement font ce genre de travail sur le terrain, en essayant de travailler avec les communautés, de les aider, font l'objet de harcèlement, de violences sexuelles. Et puis, comme toutes les autres femmes, même les femmes travailleuses font également l'objet de violences sexuelles. Et il a été reporté plusieurs cas de violences sexuelles des femmes dans ce secteur par les organisations de la société civile. Et puis, ces femmes reçoivent aussi des menaces contre leurs familles des menaces qui peuvent effectivement affecter leur travail. Il y a, concernant les femmes membres même de la communauté, ce qui a été remarqué, c'est que elles perdent leurs terres, les terres qui constituent leurs moyens de subsistance, les terres où elles ont des ressources pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Elles perdent ça et puis font facilement l'objet de violences sexuelles et ça donne à la prostitution parce que du fait d'avoir perdu leurs terres, elles n'ont pas d'autres moyens de subsistance parce qu'elles n'ont pas de qualifications souvent appropriées pour travailler dans ce secteur. Donc la prostitution devient l'activité qui leur permet d'avoir un peu d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, ce qui bien sûr perturbe leur contexte social, leur statut familial, etc. Next slide, please. OK. Donc, dans ces différents secteurs d'activité commerciale,
Il y a des statistiques qui ont été relevées. Il a été relevé, par exemple, dans le secteur de l'industrie des vêtements, que 80% des travailleurs sont des femmes. Donc, par conséquent, elles courent un risque très élevé de harcèlement sexuel, de violence sexuelle et de recevoir un salaire très bas. Et dans le secteur de l'électronique, dans les pays producteurs d'électronique, il a été remarqué que 75% des travailleurs sont des femmes. Et à ce niveau, en fait, de leur contact permanent et de leur exposition aux produits chimiques, souvent très, très toxiques, il y a des risques il y a des risques de perdre le bébé, de faire des fausses couches. Il y a des risques qui peuvent sur la santé même maternelle et la santé de la femme. Donc, il y a tous ces risques-là, en fait, auxquels ces femmes sont exposées. Et dans le secteur agricole, il a été reporté que 40% sont des femmes et qui possèdent 40% sont des femmes. Cependant, moins de 15% des femmes possèdent la terre. Maintenant, quel est le rôle que la société civile, les organisations de la société civile doivent jouer pour évaluer la diligence raisonnable en matière de genre? Premièrement, les organisations de la société civile doivent identifier les impacts sexo-spécifiques à travers l'engagement des communautés. C'est-à-dire pour pouvoir évaluer ces impacts, ils doivent mobiliser la communauté, les organiser pour avoir des rencontres et discuter du problème. Et la deuxième chose que ces organisations doivent faire, c'est vraiment évaluer si l'entreprise a correctement traité ses impacts. C'est-à-dire quand l'entreprise a été saisie des violations des droits de l'homme concernant le genre, est-ce que ces entreprises ont traité efficacement ce problème, est-ce qu'ils ont adressé le problème, est-ce qu'ils ont trouvé des solutions durables à ce problème. Next slide, please. Maintenant, j'ai mentionné plusieurs fois la diligence raisonnable en matière de genre ou la diligence raisonnable. Qu'est-ce que la diligence raisonnable? Et selon le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, la diligence raisonnable est le processus que les entreprises doivent mettre en œuvre pour identifier, prévenir, atténuer et rendre compte de la manière dont elles traitent ces impacts négatifs et réels et potentiels dans leurs propres opérations, leur chaîne d'approvisionnement et leurs autres relations commerciales. Donc, la diligence raisonnable, en plus des entreprises elles-mêmes, elle s'étend à la chaîne d'approvisionnement et aux autres relations commerciales que les compagnies ont. Next slide, slide, please. Dans cette diapositive, on va voir les étapes. En fait, de la diligence raisonnable. La diligence raisonnable, en fait, contient six étapes au total. La première étape, c'est vraiment que l'entreprise doit intégrer une conduite responsable des affaires dans ses politiques et systèmes de gestion. L'étape 2 consiste à identifier et à évaluer les impacts négatifs, tels que par exemple les droits de l'homme ou les impacts environnementaux dans leur opération, leur chaîne d'approvisionnement et leurs relations commerciales. C'est-à-dire, en plus d'intégrer la conduite responsable des affaires dans leur système de gestion, les entreprises doivent également identifier et évaluer les impacts négatifs en matière de la diligence raisonnable. L'étape 3 implique l'arrêt des activités qui causent ou contribuent à des impacts négatifs. C'est-à-dire que quand l'entreprise a été saisie ou a identifié qu'il y a eu des impacts négatifs, elle doit prendre des mesures pour prévenir, atténuer ces impacts ou même cesser toute activité qui a conduit ou qui a contribué
à ces impacts négatifs. Et l'étape 4 consiste à mettre en œuvre les résultats de la diligence raisonnable. L'entreprise doit mettre en œuvre les résultats de la diligence raisonnable. C'est-à-dire, une fois que l'impact a été identifié, l'entreprise maintenant doit prendre des mesures et mettre en place des plans pour pouvoir prévenir, atténuer ou carrément cesser l'impact. Après avoir fait ça, l'entreprise doit faire le suivi qu'effectivement les mesures qu'elle a prises pour faire cesser les impacts, pour les prévenir, les atténuer, que ces mesures effectivement sont effectives sur le terrain. Ce qui nous amène à l'étape 5 qui implique que l'entreprise communique sur la manière dont ces impacts sont traités. C'est-à-dire une fois identifiés, une fois pris des mesures, une fois après avoir mis ces mesures en œuvre, l'entreprise maintenant doit faire une communication autour des mesures qu'elle a prises, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle est arrivée à traiter et ses impacts, à trouver des solutions durables à ces impacts. Donc, il y a des exemples de communication qui peuvent inclure la communication avec les parties prenantes, c'est-à-dire ceux qui sont directement affectés, qui sont affectés par les impacts, avoir une communication directe avec ces parties pour les informer sur les mesures que l'entreprise a prises pour pallier à ces impacts et puis faire une sorte de publication sur le processus de diligence raisonnable et publier pourquoi pas un rapport et public et de ces informations qui sont pertinentes et le processus de diligence raisonnable et puis aussi communiquer sur ces politiques qu'elle a prise sur la conduite responsable des entreprises. Enfin, l'étape 6 est une étape très, très importante parce que c'est l'étape qui permet à l'entreprise de fournir des mesures correctives ou copères et à celles-ci lorsque cela est approprié. Par exemple, quand l'entreprise communique sur les mesures qu'elle a prises, elle communique avec les parties prenant, fait une large information sur la diligence raisonnable, etc. Elle doit également prendre des mesures, des sanctions et informer les gens sur les mesures qui ont été prises pour sanctionner tel ou tel comportement qui a conduit à tel ou tel abus. Donc, il est approprié qu'une entreprise s'engage dans les mesures correctives, prennent des mesures correctives lorsqu'elle a identifié les impacts ou que ses activités effectivement ont causé ou ont contribué à des impacts négatifs réels et potentiels. Une des mesures que l'entreprise peut prendre pour corriger ou pour prévenir et atténuer l'impact, c'est vraiment d'intégrer dans ses politiques et systèmes de gestion le JAR. C'est quelque chose de très, très important. La diligence raisonnable sur le JAR doit être intégrée dans les politiques de gestion de l'entreprise. Les entreprises, normalement, doivent d'abord adopter deux mécanismes à ce niveau. Premièrement, ils doivent évaluer, identifier et traiter les risques et les impacts sur les femmes. Et deuxièmement, ils doivent élaborer des politiques et des plans sensibles au genre. Donc, c'est-à-dire en plus de la notion générale de la diligence raisonnable, de la diligence raisonnable de façon générale, les entreprises doivent intégrer spécifiquement l'option genre. Doivent avoir un focus sur l'option genre dans leur politique de gestion interne. Ça, c'est quelque chose de très important. Next slide, please. Maintenant, on va voir dans l'étape 1, en ce qui concerne intégrer le genre, on va prendre les étapes par étapes. En ce qui concerne intégrer le genre dans les politiques de conduite responsables des entreprises, dans leur système de gestion, et pour que nous,
les acteurs de la société civile puissent évaluer qu'effectivement l'entreprise a répondu aux critères de l'étape 1. La question qui doit être posée, c'est si l'entreprise dispose d'une politique visant à promouvoir l'égalité des sexes et à éviter les impacts sur les femmes. Et aussi, se poser la question si cette politique a été adoptée, a été mise à la disposition du public et communiquée à ceux qui sont directement atteints, c'est-à-dire les ayants droit, et que ces personnes ont reçu la communication, ont été informées et ont compris le processus. Parce que là, il ne s'agit pas seulement de communiquer, il faudra aussi que ceux qui sont victimes, qui sont directement touchés, puissent comprendre le processus. C'est très important. Maintenant, pour les organisations de la société civile, pour évaluer si les entreprises ont suivi l'étape 2, qui est d'identifier et évaluer les impacts négatifs réels et potentiels, la question que ces organisations de la société civile doivent se poser, c'est si l'entreprise dispose d'une cartographie des risques et impacts potentiels liés au genre en fonction de son secteur et de ses opérations, jusqu'à sa chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire une cartographie des risques et des impacts, non seulement en ce qui concerne l'entreprise, mais aussi toute sa chaîne d'approvisionnement et ses autres relations commerciales. Ce genre de cartographie doit être disponible, qui évalue en fait les risques et les impacts potentiels liés au genre. Il faudra aussi se poser la question si l'entreprise a consulté les femmes travailleuses sur cette question potentiellement. C'est-à-dire si la question relativement à la diligence raisonnable en matière de genre, si les personnes affectées ont été consultées à ce sujet pour qu'ils puissent comprendre les impacts et identifier les impacts. Et aussi se poser la question si l'entreprise a compris sa part de responsabilité et sa relation par rapport aux impacts. C'est quelque chose aussi de très important pour permettre aux organisations de la société civile de pouvoir efficacement évaluer la diligence raisonnable des entreprises en matière du genre. Next slide, please. En ce qui concerne l'étape 3, pour que les organisations de la société civile puissent évaluer que l'entreprise a suivi l'étape 3, c'est-à-dire cesser de prévenir ou atténuer les impacts négatifs liés au genre, la question qu'on doit se poser, c'est si l'entreprise a effectivement cessé ou a pris des mesures pour atténuer les impacts sur les femmes. C'est la première question qu'on doit se poser. Et la seconde question à cette étape 3, c'est de savoir si l'entreprise a utilisé et, si nécessaire, augmenté son influence pour inciter ses partenaires commerciaux à cesser, prévenir ou atténuer les impacts relatifs au genre. Maintenant, ici, la responsabilité de l'entreprise, ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement d'utiliser et puis ce n'est pas seulement d'utiliser ou d'évaluer sa propre conduite, c'est en plus d'évaluer sa propre conduite, c'est également influencer sa chaîne d'approvisionnement et puis ses partenaires commerciaux à prendre des mesures pour cesser ou prévenir ou atténuer tout impact lié au genre. Next slide, please. Concernant l'étape 4, pour évaluer l'étape 4, qui est le suivi de la mise en œuvre des résultats, la question qu'on doit se poser, c'est si l'entreprise a communiqué les résultats de sa diligence raisonnable. Parce qu'on a dit qu'une fois que l'entreprise a identifié les impacts, une fois qu'elle a mis en œuvre des mesures pour cesser, atténuer et prévenir ces impacts, elle doit également faire une communication avec les parties affectées, les parties prenantes, pour pouvoir communiquer sur les résultats des mesures qu'elle a prises en matière de diligence sur le genre. Donc, quand on évalue l'étape 4, on doit se poser cette question.
On doit se poser également la question de savoir si l'entreprise a communiqué des informations sur ses impacts, par exemple à travers la publication, à travers la publication sur les médias, à travers la publication des rapports, etc., etc. Et si cette communication ou ces informations ont eu un impact beaucoup plus large. Et la dernière question qu'on doit se poser à ce niveau concernant l'étape 4, c'est aussi si l'entreprise a consulté les personnes affectées à ce sujet sur les résultats qu'elle a obtenus en mettant en œuvre ces mesures de prévention, ces mesures d'atténuation et ces mesures de cessation des impacts négatifs. Next slide, please. En ce qui concerne l'étape 5, pour évaluer la diligence raisonnable en matière de ZA concernant l'étape 5, et les organisations de la société civile doivent se poser les questions suivantes. C'est est-ce que l'entreprise a communiqué ses résultats tout au long des 6 étapes? C'est-à-dire, chaque étape, normalement, doit faire l'objet de communication. Donc, c'est de savoir si réellement la compagnie a fait cette communication sur ces 6 étapes qu'elle a prises pour tenir en compte, en fait, le JAR dans la diligence raisonnable. Ici, vous allez voir que chaque fois, dans chaque étape, on parle de communication parce que chaque étape qui est prise par l'entreprise doit faire l'objet de communication. Pour une saine information et pour permettre aux personnes qui sont affectées de pouvoir comprendre en fait l'information. Et l'autre question qu'on doit se poser à ce niveau, c'est également si l'entreprise a communiqué directement avec le titulaire des droits concernés. Ça, c'est très important. Et si l'entreprise a aussi communiqué avec les groupes de la société civile, les groupes des femmes et les syndicats. Donc, le système de communication est un système beaucoup plus large. Ça s'applique pas que seulement à ceux qui sont directement affectés, mais à tout autre groupement dans la société ou dans la communauté qui est intéressé en fait par les pratiques des entreprises sur le terrain et les impacts que ça peut avoir sur le genre. Next slide, please. Enfin, la dernière étape, qui est de prévoir ou coopérer, le cas échéant, trouver et des remèdes aux impacts sur le genre, c'est-à-dire indemniser les préjudices subis. Pour évaluer cette étape, cette dernière étape, les organisations de la société civile doivent se poser la question si l'entreprise a coopéré ou a aidé une autre entité à trouver des solutions aux impacts liés au genre qu'elle a causé ou auxquels elle a contribué. Donc, non seulement que l'entreprise évalue ses propres impacts, mais également l'entreprise doit coopérer avec sa chaîne d'approvisionnement, avec ses autres partenaires commerciaux ou avec tout acteur ou partie prenante dans cette question pour savoir si vraiment ils ont pris des solutions pour pallier à ces impacts et s'ils ont pris des solutions pour faire cesser ces impacts de manière définitive et à long terme. Et aussi se poser la question si l'entreprise dispose d'un système de plainte interne pour les personnes affectées. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et ce système interne doit être un système qui est capable de faciliter en fait la réparation du préjudice subi ou la réparation des impacts. Et enfin, il s'agira de se poser la question si l'entreprise de bonne foi a participé à d'autres mécanismes, pas peut-être que le mécanisme peut-être des points de contact nationaux, pas seulement ça, c'est de savoir s'il y a d'autres mécanismes auxquels l'entreprise a participé lorsqu'il y a eu des plaintes de la part des communautés, des organisations de la société civile sur l'impact des activités de l'entreprise, la conduite de l'entreprise sur les communautés.
Donc, voici globalement la présentation que j'ai à vous faire en ce qui concerne la diligence raisonnable en matière de JAP. Je vous remercie de votre aimable attention. Et comme je l'ai dit, c'est une présentation un peu plus générale. Pour plus de détails, n'hésitez pas de visiter le site internet de l'OCDE. Je vous remercie.